Voilà, Romains chapitre 11. On peut même lire à partir du verset 33 hein, jusqu'au verset 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors il y a trois choses ici particulièrement qui me touchent au verset 36. C'est de lui, premièrement. Deuxièmement, par lui. Et troisièmement, pour lui que sont toutes choses. Et mes amis, rien que ce passage-là, donc nous avons dans ce verset, nous avons des enseignements à tirer, des enseignements qui peuvent effectivement nous encourager, nous aider, nous fortifier, nous affermir. Donc, nous avons, c'est de lui, donc nous avons ici la source, n'est-ce pas? Par lui, nous avons le moyen, et pour lui, la raison, n'est-ce pas? Et ça, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses un peu, docteur Stuart. Oui, ça me rappelle ce verset dans les livres des Actes des Apôtres où Paul dit en lui nous bougeons, nous mouvons, nous avons notre vie. Donc tout est en lui, quoi. Donc en dehors de lui, c'est la mort. Tout, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui l'alpha et l'oméga de notre foi. Donc on peut pas être en dehors de sa parole, quoi. On peut pas être en dehors de lui. Nous sommes en lui. Oui. C'est pour cela, Paul dit, quand quelqu'un est en Christ, donc on est dans lui, donc il y a lui par lui, tout ça c'est en lui, quoi. Donc c'est ça, quoi. Et on est une nouvelle créature en lui, quoi. Ouais. Wow. Quelqu'un d'autre peut-être quelque chose à partager là-dessus, là? Ça c'est quand même fort, là. C'est de lui. Donc il est vraiment la source de toute chose. Et est-ce que comme Christ étant la source, Christ est la source de toute chose, est-ce qu'on voit en lui le divorce et le remariage? Moi, je ne sais pas si tu peux nous partager un peu quelque chose là-dessus, parce que tu n'es pas sans savoir que beaucoup des prédicateurs aujourd'hui, des pasteurs notamment, enfin, divorcent, se remarient et continuent à exercer leur ministère. Et ils évoquent, n'est-ce pas, des raisons complètement, n'est-ce pas, inappropriées sur l'éventuelle infidélité de leurs épouses. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est de lui, donc de Christ la source, Christ étant la source. Est-ce qu'on voit le divorce et remariage Vous savez, quand nous devons retourner dans Genèse pour comprendre ces choses. Dieu va dire à Moïse, c'est pourquoi. Là, on parle, on a le premier couple dans les jardins d'Éden. On a Adam et Ève. Mais Dieu va dire, c'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère. Donc sûrement, ces messages n'étaient pas pointés à Adam et Ève, quoi. Parce que bon, Adam n'avait pas de mère, il avait un père. Donc, il n'y avait pas de père biologique. C'est ça, c'est ça. Mais Moïse écrit, c'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Vous savez, quand nous lisons ça en français, on ne sent pas les poids. Il faut comprendre l'hébreu. Il dit bosar ahad, c'est la chair d'une seule personne. Ce mot ahad, c'est pas une unité absolue, c'est une unité complexe. Comme quand Dieu Dieu dit est un. à, oui, Dieu dit à Moïse dans Deutéronome 6,4 et écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Dieu dit Shema Israël, Elohim, Adonai, Elohim, Aha. Dieu va donner trois noms là. Adonai, Elohim, Jéhovah. Trois noms, Aha. Les trois noms sont un. Donc il y a Jésus-Christ va même dire dans les évangiles, le Père et moi, nous sommes un. C'est le même mot qu'il utilise. Dans Jean 10.
Oui, donc c'est à cause de ça qu'on a voulu lapider d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que là, il s'est carrément égalé de Dieu. Il dit, bon, on a la version grecque de la Bible, mais si nous lisons ce que nous traduisons ça en araméen, il dit Ani darav ahad anahu. C'est ahad là. Et quand les pharisiens ont entendu ces mots ahad, ils se sont dit, oh, c'est pas vrai. Là, il fait référence dans Deutéronome 6,4, parce que c'est un verset que nous citons tous les jours. Maintenant, oui, les chemins. Parce qu'il faut comprendre, Jésus-Christ va parler aux pharisiens. Il parle de cette unité-là. Il va dire aux pharisiens, vous souvenez-vous de la prophétie de David, quand il avait dit, Dieu va dire à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, juste à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. David va voir quelqu'un à côté du père, sur son trône. On sait que sur un trône, il n'y a qu'une seule personne. Le roi doit être là, mais David va voir quelqu'un à la droite. Dieu va dire à cette personne, assis-toi à ma droite, toi et moi, nous sommes un. Et Moïse va utiliser les mots, mais les mêmes mots, les deux doivent être non seulement attachés, en fait, les mots, c'est collé. Soudé carrément, quoi. Donc, indivisible. C'est indivisible. C'est pour cela qu'il dit que Jésus-Christ va dire ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Même pas les péchés. Si les péchés se pointent, il faut pardonner. Il faut parler, effectivement. Il faut qu'il les pardonne. Parce que, là, je bénis le Seigneur parce que là, je crois qu'on commence d'emblée à rentrer dans la profondeur. Là, je bénis le Seigneur pour ce mot-là, Haad, là, justement. Et de Shema, de Deutéronome 6. Oui. Parce que c'est le même. Mot qui est utilisé pour l'homme et la femme. Oui, oui. Et les deux, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, s'attachera. Oui. Et les deux deviendront. Bossa Ahad, la chair d'une seule personne. Quoi. Parce qu'il faut comprendre que même au début, ils étaient une seule personne. Quoi. Parce qu'en fait, la femme est sortie de l'homme. Voilà. Je vais vous partager un truc. Regardez. Dieu va dire il les créa. Homme et femme, il va les appeler Adam. Nous avons comme l'impression que c'est Adam, là c'est l'homme en tant que tel. Non. Vous savez, l'hébreu ne dit même pas que Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'humanité. C'est pas l'homme. Parce qu'ils étaient deux là, c'est. Dieu va les créer. Mais c'est au chapitre 2, verset 23, on voit le nom Isha. L'homme va être appelé Isha. Et la femme Isha. Tu comprends pas, c'est l'homme va être à l'image de Dieu. Pour les gens qui décortiquent un peu le bré, les ish, là, les ché, c'est la lettre W. Comme Dieu, c'est un feu dévorant. Voilà, quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est dans le feu que l'homme a été créé. Et puis, de l'homme va sortir la femme. La femme est la révélation de l'homme passé. La femme va sortir dans l'homme. Vous comprenez? Et quand vous verrez que quand les deux, l'homme et la femme sont ensemble, c'est bon. Il y a deux feux là, il y a Ish et Isha. Mais quand vous arrivez, j'aurais tellement voulu avoir un tableau expliquer ça. Quand on enlève entre Ish et Isha, il y a le nom de Dieu, Yah qui est là, comme Yahweh. On dit Yahweh, Yah, c'est. Les Dieu au milieu. Voilà. Quand on enlève le nom de Dieu, c'est deux feux. Les deux vont se consumer. C'est pour cela. Quand détruire. Dieu n'est pas au milieu, c'est ce que le proverbe Ecclésias dit que un fil à trois cordes n'est pas. On ne peut pas briser ça. Parce qu'il y a l'homme et la femme et Dieu doit être là. Tout quand Dieu n'est pas là, ce sont deux feux. De toute façon, je suis encore sur Paris. Il faut que j'écrive ça sur un tableau que les gens comprennent. Quoi. Il y a Ish et puis il y a Isha. De l'homme, on va prendre les noms des. On va prendre la lettre Y. Et puis la femme, on va prendre la lettre H, donc de Yahweh, la révélation de Dieu. L'homme et la femme, il y a Dieu au milieu. Quand l'homme et la femme n'est pas là, il y a les deux W, deux destructions, alors c'est fatal. Là, ce n'est pas un psychiatre ou, je ne sais pas moi, un conseiller en matrimonial, je ne sais pas moi. Il ne peut pas arranger ça. Il n'y a que Dieu qui peut arranger ça. Donc, comme le mariage est sorti de Dieu, oui. On ne peut pas le briser. On ne peut pas parce que c'est la première institution et la dernière. Allez, vous savez, Dieu prépare l'Église en tant qu'époux du Christ. Donc, l'Église est l'épouse de Christ. Oui. Et je vais vous couper, apôtre. L'église a prostitué.
avec notre position, nous avons été après les balles. Si Jésus-Christ devait nous divorcer, vous vous rendez compte. Dieu va parler au prophète Osée. En ce qui concerne les divorces, Dieu va dire, je vais vous divorcer, mais un peu plus. Dieu va, il va se repentir, alléluia. Parce que si Dieu nous divorce, nous sommes finis. C'est fini, c'est fini. Néanmoins, Dieu va nous récupérer. Quoi. Si quelqu'un pêche, il faut le récupérer. Il faut le récupérer avec amour. Quoi. Et là, ils disent justement, là, ceux qui évoquent l'infidélité sexuelle de leurs épouses, ils évoquent Matthieu justement 19. Et Matthieu 19, et ça c'est connu. Et verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc en fait, c'est un passage qui est utilisé énormément par ceux qui divorcent avec leur femme pour en épouser d'autres, n'est-ce pas? Donc ces personnes évoquent souvent ce passage. Non, il faut comprendre, je pense que ces gens-là, ils sont malades. Ils poussent leur femme à pécher, et puis ils les blâment. C'est comme quelqu'un qui te tue dessus, et puis il te dit, ah, mais voilà, tu es en train de boiter. Et c'est lui qui... Non, non, mais même si la femme pêche, il faut la récupérer. Il faut la récupérer, quoi. Donc, ces gens-là, la plupart du temps, quand la femme pêche, c'est passé, l'homme ne veut pas être l'homme de la maison. Quand tu ne t'occupes pas de ta femme, la femme va aller voir ailleurs. Oui, la plupart des temps, ces gens-là, vous savez, pourquoi ça aurait arrivé aux gens, à tout le monde, à l'Assemblée, mais pour des raisons que je ne comprends pas, ça arrive aux leaders des assemblées, aux gens qui sont des clergés, qui sont des leaders. C'est à eux que ça arrive. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ils sont en train de pousser leurs femmes à se débaucher et puis de les blâmer. Non, non, ça. Pour prendre des femmes beaucoup plus jeunes. Voilà, c'est ça. Des femmes du ministère. C'est ça. Et puis, ils vont se cacher derrière ces versets. Derrière ce passage. Oui, oui, oui. Alors que, justement, frères et sœurs, vous qui nous suivez, je bénis le Seigneur pour ce débat. Je crois qu'on va recevoir vraiment beaucoup de conseils, d'enseignements de la part de notre frère et qui prêche le message que le Seigneur nous a confié, qui est au niveau de Toronto. Et Dieu enverra de plus en plus de gens ici et là pour venir partager, parler, confirmer les choses qu'il nous a données. Et donc nous avons comme verset de base Romains, bien sûr, chapitre 11, verset 36, où la parole nous dit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc c'est de lui, de Christ. Donc là nous voyons la source. Or, la source du mariage, de la famille, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et comme on l'a développé là, Dieu qui est la source de la famille, donc du mariage, n'a pas prévu le divorce. Non, 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 non. N'a pas prévu le divorce. Dieu n'a pas prévu, comme on avait partagé dans Malachie, Dieu, il a de la haine pour le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Est-ce qu'on peut le lire ce passage de Malachie? Peut-être que tu nous mens. Est-ce que ce passage est-il écrit? Est-ce que c'est dans la Bible? Parce qu'il y en a qui, c'est pas une, moi je sais que c'est écrit, mais il y en a qui nous regardent, qui se disent, prouvez-nous cela comme les chrétiens de Béré qui vérifiaient. Donc je crois que nous sommes dans Malachie chapitre 2, n'est-ce pas? Et merci Seigneur, car Dieu est merveilleux, le verset 16. Donc on peut même lire à partir du verset 14, hein, si, 11. Donc, si quelqu'un l'a vu, Joël, oui, merci. Malachie chapitre 2, à partir du verset 11. Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ceux qu'aiment l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'est plus égal aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu, que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Waouh! Effectivement, comme tu disais, hein, Dieu dit ici que, il dit, car je hais la répudiation. Oui, il faut comprendre, quand nous haïssons, nous parlons en français, il faut aller à la racine de ce verbe haïr. Donc, Dieu n'aime pas la répudiation, quoi. Mais Jésus-Christ même dira, si Moïse vous a institué cette lettre de répudiation, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Oui, ils étaient tellement endurcis. Moïse va dire, vous le voulez, je vous le donne. Mais Dieu n'aime pas ça. Il faut toujours qu'il y ait le pardon. Paul Pierre pose la question, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il a péché contre moi? Donc on voit que dans ça, il y a également la femme. Oui, oui. Dans ce passage. Et mais je crois le plus bel exemple, c'est avec les prophètes Osée, où la femme s'est prostituée, mais Dieu va dire, tu vas récupérer cette femme adultère. Waouh. Des fois, nous avons comme l'impression, nous voulons rester dans les physiques, mais quand Dieu parle de cette répudiation, de ce divorce-là, c'est beaucoup plus dans les mondes spirituels, parce que Jésus-Christ est mort pour nous, mais des fois, nous allons toujours après les balles. Et Jésus-Christ, ça lui fait mal, mais il nous récupère. 77 fois nous tombons, mais Jésus-Christ nous récupère. Mais pourquoi si dans le physique, socialement, comme ça, ta femme pêche? Et moi, je pense que c'est quoi pécher? Quand tu pêches dans le physique ou tu pêches spirituellement, celui qui pense mal d'une femme ou d'un homme, il a déjà péché. Je pense que si aussi la femme pouvait répudier son mari, si Dieu devait ouvrir les cœurs de tout le monde ici, je crois, tout le monde serait divorcé, quoi. Parce que, apparemment, les gens veulent s'accrocher à ces péchés physiques. Or, celui qui pêche physiquement et celui qui pêche dans les pensées, ils sont pareils. Ils sont pareils, quoi. Et là, c'est fort, là. Oui, oui, oui. Le pardon n'existait plus. Non, le pardon n'existait plus. En fait, plus. Dans le rapport, dans le couple, il n'y a plus de pardon. Donc, comme tu disais, il y a des hommes, effectivement, qui vont pousser leurs femmes, leurs épouses au péché. Oui, oui, la plupart des cas, c'est hommes des dieux. Non. C'est pasteur. C'est des dieux, c'est pasteur. Et tu en connais. Oui. Parce qu'il y en a aussi qui ont quitté le Canada là, pour venir se réfugier ici, que tu connais d'ailleurs. Ils poussent leurs femmes au péché et puis ils vont se dire, voilà, je l'ai attrapé en plein adultère. Non, eux-mêmes, ils sont des impudiques, quoi. Je vais vous lire un verset dans Jérémie. Nous sommes toujours dans... Dieu est bon. Dans ces cadres. Écoute, Jérémie parle de... à partir du premier verset du chapitre 12. Là, on parle des hommes de Dieu. On parle des hommes de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ va dire... les gens vont venir vers lui pendant le jugement. Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait ceci. C'est pas n'importe qui prophétise, quoi. C'est pas n'importe qui chasse les démons, quoi. Donc ça veut dire c'est gens qui dirigent aussi. Voilà, ce sont les gens qui dirigent. Jérémie a eu le même problème. Écoutez, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent et ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Ce sont des gens qui ont la parole de Dieu. Ce sont des gens que Dieu va élever. Jérémie reconnaît que ce sont les gens que Dieu va élever. Mm-hmm. Ils ont la parole de Dieu. Ils portent du fruit. Vous regardez comme ça, physiquement, ces gens-là, ils portent du fruit. Ils ont la parole de Dieu, mais Dieu dit... ils sont loués, je ne les connais pas. Ce sont ces gens-là que Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connus. Dieu ne les a pas connus. Ils sont là, ils sont en train de prêcher. Ils prêchent le nom de Dieu parce que le nom de Dieu est impliqué. Dieu, des fois, agit, mais Dieu dit, je ne suis pas là. Parce que ce sont les mêmes gens qui vont dire, moi, j'ai chassé les démons. Ce n'est pas Christ qui a chassé, c'est moi qui ai l'onction. Ce n'est pas l'onction de Dieu, c'est leur onction à eux. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Mais là, c'est terrible parce que... on voit de plus en plus des prédicateurs qui sont divorcés, remariés. Oui. Deux, trois fois même, il y en a. Oui, ils ont des grandes assemblées. Il y a beaucoup de monde. Et puis, ils croient que parce qu'il y a des gens qui les suivent, ils sont dans les vrais. Non, Jérémie a connu le même problème. Écoutez, allons un peu dans Jérémie chapitre 7. Est-ce que ça existe aussi aux États-Unis, ce phénomène? Ça commence aux États-Unis, de toute façon. Regardez, à partir
du premier verset, la parole nous dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Le message de Jérémie, c'était au temple. Alléluia. Mm-hmm. Jérémie parlait soit au sacrificateur, soit au lévite, ou au roi. Ou au prophète ou au roi. Mm-hmm. Ce n'était pas le peuple en tant que tel. Quoi. Mm-hmm. Bon, des fois, il est arrivé qu'il parle au peuple. Mais il va se placer à la porte du temple. Ou à la porte, il y a les prophètes qui rentrent, même le peuple. Son message, c'était dans la maison de Dieu. Dans les temples, regardez, là publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. C'était un message de réforme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mm-hmm. Ce n'est pas la NJC, ce n'est pas mon bien-aimé Chora que les gens traitent d'antéchrist et qui va amener ces messages de réforme. Ça, on peut même aller dans Genèse. Mais Jérémie nous dit, réformez-vous. Réformer, c'est quoi? C'est quelque chose qui a perdu sa forme, qui doit retourner au commencement. Parce qu'au commencement, la source. Au commencement, Dieu va donner une forme. La chose va être déformée. Il faut que Dieu ne veut pas tuer cette chose. Il veut seulement redonner la forme. La forme fait mal. Quelque chose qui est déformé, pour revenir à la forme initiale, ça fait mal. Mais les gens doivent retourner à la parole de Dieu. Alléluia. Mmh. C'est le message de réforme. Ce n'est pas ANJC, ce n'est pas Chora qui a commencé ça. Il faut aller blâmer Dieu parce que Jérémie va parler aux enfants d'Israël, aux enfants, surtout des Juda. Parce qu'en ces temps-là, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait Israël au nord et Juda au sud. Parce que c'était très important avec Juda. Parce que dans Juda, il y a Jérusalem. Dans Jérusalem, le Messie doit venir. Il y avait les temples de Dieu. L'habitation de Dieu était là. Parce que les gens venaient de partout pour aller prier Dieu à Jérusalem. Parce que c'est là que Dieu va élever son nom. C'est à Jérusalem. Regardez. Jérémie va prêcher à Juda. Non seulement à Juda, mais il va se mettre à la porte du temple. Parce que tout le monde va rentrer dans le temple. Alléluia. Mm-hmm. Jérémie va dire, réformez-vous. Donc la réformation concerne ceux qui connaissent déjà Dieu. Oui, quand nous parlons de la réforme, ce n'est pas les gens du dehors. Ils n'ont jamais été formés. Pourquoi les réformer? Mm-hmm. Oui. Wow. Nous prêchons la réforme aux gens qui ont été formés, mais qui ont perdu leur forme initiale, qui doivent être réformés selon la parole de Dieu. Wow. On n'amène pas une nouvelle révélation. Mm-hmm. Ce ne sont que des illuminations. Mm-hmm. Oui. Ils doivent être réformés selon la parole mais de Dieu. Ils disent que les églises sont en bon état. Non. Que l'église du Seigneur, il n'y a pas de problème, tout va bien. Non. Mais pourtant, on le voit dans l'adultère, on le voit dans le divorce, remariage et toutes ces choses-là. Moi, tu es là pendant 12 jours, j'aimerais vraiment que le Seigneur, pendant 12 jours, nous voulons te laisser, comme le Seigneur m'avait mis à cœur, de partager ces choses, parce que pour beaucoup, nous sommes des antichrists. Oh, vous savez, c'est vraiment déplorable. Paul va écrire aux anciens d'Éphèse. Mm-hmm. Paul va leur dire de faire très attention. Vous savez à quel prix Dieu a acheté, a racheté. Pas acheté, racheté. Parce qu'on rachète ce qu'on avait acheté. Voilà, et encore une réformation. Mm-hmm. On appartenait à Christ, on a perdu nos pieds. Et Dieu va nous racheter. Alléluia. Vous savez, le mot grec là, c'est ex agora. Agora, c'est le marché. Le marché. Il va y avoir un rachat, quoi. Quelqu'un qui a été déjà acheté. Il est avec son maître, il va fuir. Quelqu'un d'autre va l'attraper, le vendre. Son maître va encore le racheter. Jésus-Christ va encore nous racheter. Mais cette fois-ci, il va nous sceller avec son Esprit Saint. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas à nous détourner de la parole de Dieu. C'est la réforme dont nous avons besoin. Mm-hmm. Parce que même Paul dit, il faut de temps en temps s'examiner si on est encore dans la foi. Mm-hmm. On doit de temps en temps s'examiner si on est encore dans la parole de Dieu. Wow, non mais là c'est quand même fort. Déjà, ici on voit, parce qu'on sait que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Oui.
Donc, ces gens ici, là, dans Jérémie 7, ils avaient reçu la Torah. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Il y avait des prophètes, des sacrificateurs. Il y avait le temple, il y avait l'arche dans le temple. Il y avait, n'est-ce pas, dans l'arche, il y avait la verge de Moïse, tout ça, les tables de l'Alliance. Pourtant, Dieu envoie Jérémie pour prêcher un message réformateur. Et là, il est question, effectivement, de réformer leur voie et leur cœur, leurs œuvres. Et là, c'est fort. Jérémie va voir les gens qui entraient dans le temple, qui en sortaient pour, n'est-ce pas, les amener à les ramener, en gros, au Seigneur. Et quelqu'un a dit que le chandelier n'était pas éteint dans le temple. Donc, qu'on ne pouvait pas parler de la réformation, on ne peut pas parler de la réformation des églises parce que tout va bien, tout se porte. En fait, ceux qui le disent même, ils sont dans le péché. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Et pourtant, je me suis rendu compte que le chandelier était éteint. Dans 2 Chroniques, justement, un passage qu'on peut lire rapidement, avant que tu ne continues, dans 2 Chroniques, et, chapitre 26. Voilà. Donc, 2 Chroniques, pardon. On va rapidement retrouver. Le Seigneur est merveilleux. Voilà, ça c'est le règne d'Ézéchias, quand Ézéchias arrive au pouvoir. Et on nous dit clairement que le chandelier était bel et bien éteint. Merci Seigneur pour ce passage que tu m'as montré la dernière fois. Voilà, donc le temps que je le retrouve, qu'est-ce que tu peux encore davantage nous parler un peu de la réformation, docteur Stuart? Mais quand les gens disent que le feu n'était pas éteint, ça, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Parce que, retournons un peu dans les Nouveaux Testaments, hein, comme on dit, parce qu'on est toujours... Quand j'utilise les termes Ancien Testament et Nouveau Testament... Donc, 2 Chroniques 29, 7, ouais. Quelqu'un peut lire? Voilà, donc on va prendre un passage dans 2 Chroniques 29, 7. On peut même lire à partir du verset 1er pour la bonne compréhension. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, écoutez, moi, lévite, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Et ça c'est fort. C'est fort. On voit ici, effectivement, mes amis, vous qui le suivez, les lampes du tabernacle, les lampes du chandelier qui étaient éteintes. Mais même dans Exode ou dans Nombre par là, même le fils d'Aaron avait amené un feu étranger. Mm-hmm. Même la première génération des sacrificateurs, ils ont commis cette bêtise-là. Parce que quand il n'y a pas une bonne marche dans le Seigneur, c'est... La lumière qui va s'éteindre, quoi. Je voulais partager quelque chose dans le Nouveau Testament, si je peux dire ainsi. Quand Jésus-Christ s'est amené au temple, Jésus-Christ va dire à ses disciples, hein, vous voyez, cette maison va rester, il y a la désolation. Et pourtant, il y avait beaucoup de monde. Mm-hmm. Pourquoi de la désolation? Parce que lui qui était la lumière du monde, la lumière de ces temples, les gens ne l'ont pas connu. Et puis, quand vous voyez comment Jésus-Christ va quitter les temples, il va dire il y a la désolation, la lumière va partir. Parce que c'est une des fêtes aussi juives, à part les 7 fêtes que Moïse va nous donner dans Lévitique 23. 23, ouais. Mais aussi, il y a la fête des dédicaces, mm-hmm. ou la fête des lumières, mm-hmm. il y a la fête des Pourim, mm-hmm. qui...
fête la libération des juifs sous Mardoché mmh. avec Esther. Il ouais. Y avait beaucoup de fêtes. Il y avait même y a une autre fête de huitième jour qui typifie l'éternité. Mmh. Parce que les juifs croient que Jésus-Christ va venir, il va régner comme Dieu avait promis à David. Mmh. Je vais planter ton peuple, ils ne seront plus jamais arrachés. On n'a pas encore ça passé. Mmh. Il y a encore des prophéties qui doivent s'accomplir. Tout à fait. Mais des gens qui disent que la lumière ne s'est jamais éteinte. Mais il faut comprendre, très peu de prophètes étaient dans les vrais. Trop peu de prophètes étaient dans les vrais. Vous savez, même quand celui qui est Dieu dit l'homme, c'est l'homme en cœur. Parce qu'il faut comprendre, David était un prophète. Mmh. Vous le savez, il était roi, il était prophète. Et il a même failli être sacrificateur, mais le sacrificateur devait venir de la lignée d'Aaron. Mais vous savez que David avait mangé les pains des propositions qui étaient réservés aux sacrificateurs. Donc, c'était l'image de nous, Église, qui sommes un royaume des sacrificateurs. Mm-hmm. Et nous sommes et des rois et des sacrificateurs. Les rois venaient de la lignée de la tribu de Judas, la lignée de David, et les sacrificateurs de la tribu de Lévi, de la lignée d'Aaron. Mm-hmm. Oh, mais en Jésus-Christ, nous sommes... Comme le verset que nous avons partagé sur, en hébreu, en lui, par lui, tous, c'est lui qui nous rassemble dans cette famille. Regardez, je vais encore dire un truc en ce qui concerne les temples. Zacharie, les pères de Jean-Baptiste, était sacrificateur. Mm-hmm. Par conséquent, Jean-Baptiste devait être sacrificateur. Mm-hmm. Mais où est-ce qu'il a fait son ministère ? Dans le désert mm-hmm. ou au Jourdain. Mais regardez, quand Jésus-Christ s'avançait, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit ? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Non seulement cet agneau va atonner, cafard les péchés. Non, cet agneau, lui, cette personne va carrément enlever les péchés. Il ne couvre pas. Oui, il ne couvre pas, c'est la couverture. Tous les ans, on devait le faire. Mais avec Jésus-Christ, car il y a cette expiation. Mm-hmm. Que Dieu va oublier tous nos péchés. Alléluia. Parlons du temple. Ce verset démontre que la lumière du chandelier était éteinte. C'est écrit noir sur blanc. Oui, oui, oui. Donc il fallait que Dieu suscite maintenant, n'est-ce pas, le roi Ézéchias, pour, mes amis, vous qui nous suivez effectivement, selon 2 Chroniques 29, pour nous dire sanctifier le peuple, amener le peuple à se sanctifier, et également à mettre tout ce qui est impur hors du sanctuaire. Et qu'est-ce qu'il va faire? On nous dit déjà quand il est arrivé, il va réparer les portes du tabernacle, donc du temple, pardon. Il va réparer les portes. Et puis là, il va également, bien sûr, rallumer les lampes du chandelier. Il faut d'abord commencer, on peut commenter sur pourquoi Ézéchias va réparer les portes. Parce que par les portes, les gens rentrent. Mmh. Alléluia. Alléluia. Quand les portes sont fermées, les gens ne peuvent pas rentrer. Parce que Jésus-Christ, c'est la porte. Mmh. Alléluia. Mmh. Et non seulement il est la porte, il est aussi la lumière du monde. Mmh. Vous savez, la Bible nous dit... Nicodème vint des nuits vers Jésus-Christ. On a comme l'impression qu'il était minuit, Nicodème est venu. Non, non, non. Donc, Jean nous parle, nous montre Jésus-Christ comme étant la lumière du monde. Mm-hmm. Cette lumière qui est sortie des dieux dans Genèse. Vous savez, même des nuits, même des jours, Nicodème était toujours dans l'obscurité. Alléluia. Alors, Jean va dire Nicodème vint des nuits. Ça veut dire que quand Nicodème est venu, même si c'était les jours, il était toujours obscur. C'est juste parce que Dieu, Jésus-Christ, lui donne la lumière. Alléluia. Mm-hmm. Mais cette lumière peut être éteinte. Même dans notre marche, peut éteindre la lumière de Dieu. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, rallume, ranime. Voilà. Hein, donc la flamme du don que tu as reçu. Et c'est vrai que dire que nos églises n'ont pas besoin d'une réformation profonde, c'est se méconnaître soi-même. C'est, mes amis, se renier soi-même parce que le message évangélique est un message réformateur. Parce que l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, notamment, nous dit que, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours, n'est-ce pas, vers le but. Donc ça veut dire que Paul, l'apôtre, malgré la grâce qu'il avait reçue, malgré les grandes révélations et les grandes illuminations qu'il avait reçues de la part du Seigneur, Paul avait compris lui-même qu'il n'avait pas atteint la perfection. Oui, par la foi en Christ, mais sur le plan physique comme ça, Paul avait encore des imperfections.
D'ailleurs, il avait des problèmes de vue, hein, de la vue, tout ça. Donc, on voit qu'il courait vers la perfection. Et c'est-à-dire le message biblique, le message évangélique, le message que Paul a prêché, donc par-dessus tout le Seigneur, est un message réformateur. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, regarder l'état de nos églises actuelles, aux États-Unis, en Afrique, en France, partout, l'état de nos cœurs, et dire qu'on n'a pas besoin d'une profonde réformation. C'est de la folie. C'est carrément de la folie. Oui, par la foi, l'Église, mes amis, est connue du Seigneur. Par la foi, cette Église est parfaite par la foi. Mais sur le plan visible, mes amis, nous avons besoin de grandir en recevant l'enseignement biblique qui nous réforme, qui nous change. Et réformer, c'est redresser. Or, 2 Timothée 3,16, la parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour corriger. Donc, l'évangile corrige. Or, corriger, c'est aussi c'est redresser. Redresser, c'est réformer. Et donc, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour corriger, pour instruire, n'est-ce pas? On peut même le lire. Mes amis, nous avons besoin véritablement de nous réformer, de réformer nos cœurs, pas nos bâtiments. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, premièrement, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et là, c'est fort. Paul utilise des termes assez forts. N'est-ce pas? Enseigner, convaincre, corriger. Et ça, c'est corriger ici, c'est vraiment redresser ce qui est cassé. Donc, on ne peut pas justement prétendre, mes amis, servir le Seigneur et refuser en même temps un message réformateur, réformer nos cœurs, nos voix. C'est important, mes amis. Et quand on voit effectivement ce qui se passe dans nos assemblées, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a besoin d'un message fort qui réforme nos voix et nos cœurs notamment. Quand on voit également le nombre des prédicateurs qui divorcent et qui se remarient au vu et aussi de tout le monde, frères, et qui utilisent la parole pour justifier leur vie de péché, on se dit, Seigneur, dans quel monde vivons-nous? Et cela n'est pas étonnant parce que c'est la prophétie qui s'accomplit, selon laquelle, bien sûr, avant le retour du Seigneur, l'apostasie va s'établir, s'installer dans les assemblées. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à partager ou des questions. Je ne sais pas, Paul Steve ou Stuart, mon frère. Je crois que je vais juste ajouter un verset biblique. Jacques, dans le Nouveau Testament, chapitre 3, nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Alléluia. Vous savez, ça, ce n'est pas une très bonne traduction même du grec. Parce que Jacques dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup qui se mettent à enseigner parce qu'ils sont en train de casser les cycles de Genèse. Parce qu'au Genèse, Dieu déjà avait établi un système. Mais il y a des gens qui vont se mettre à prêcher la parole de Dieu. On ne nous dit pas qu'il n'y a pas... il faut pas qu'il y ait un grand nombre qui prie, parce que tout le monde doit prier. Il faut pas qu'il y ait un grand nombre qui chante, tout le monde doit chanter. Mais en ce qui concerne la prédication de la parole, ceux-là doivent être des exemples. C'est pas donné à tout le monde. Il faut pas qu'il y ait un grand nombre, parce que ces gens-là qui ne sont pas appelés, ils sont en train de casser les cycles de Bereshit, de Genèse, quoi. Bereshit Bara. Oui, c'est ceux qui veulent, qui doutent de ces versets, qu'ils aillent dans la traduction grecque pour voir qu'on nous parle de Genesis. Ces gens-là, ils sont en train de casser les cycles. Parce que la parole de Dieu, c'est comme le fait, c'est toujours circulaire, quoi. Mais nous avons cette pensée grecque qui est linéaire, le passé et le présent et l'avenir. Mais avec Dieu, c'est ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera, et ça, c'est circulaire, quoi. Il n'y a rien de nouveau sur terre. C'est ça. En fait, Genèse, c'est vraiment la base. C'est ça. Et c'est là que Dieu nous a montré le plan, son plan parfait. Oui. Et il n'y a rien de nouveau en fait. Non. Donc Genèse, effectivement, frères et sœurs, dans ce livre, le livre de Genèse en lui-même, mes amis, rassemble tous les livres de la Bible. Et quand on voit l'œuvre de la croix, en fait, l'œuvre de la croix, c'est tout simplement le retour à ce que Dieu avait déjà prévu. Oui, c'est ça. Que l'homme, à cause de l'homme, bien sûr, nous sommes sortis de ce projet, de ce plan parfait du Seigneur. Donc le dernier Adam est venu pour justement nous
ramener à ce que le Père avait déjà accompli. Et parce qu'on nous dit dans Genèse 2 qu'au septième jour, le Seigneur va se reposer. C'est-à-dire qu'il va cesser de travailler parce que l'œuvre était déjà parfaite. Et Dieu ne peut pas, mes amis, se tromper dans ce qu'il fait. L'œuvre qu'il avait accomplie dans Genèse 2, 7, dans Genèse là-bas, pardon, était une œuvre parfaite. Le péché est venu briser, détruire ce travail. Mais le Seigneur avait un plan, n'est-ce pas, de la rédemption, un plan de secours avec le Messie. Et c'est pour cela que dans Romains 11, on nous dit que c'est de lui, donc Christ, donc la source de toutes choses. Et notre source, c'est Dieu. Et en Dieu, mes amis, il n'y a ni divorce, ni remariage. Et comme tu le disais tantôt, on ne peut pas être enseignant de la parole et ne pas avoir une vie exemplaire. On ne peut pas enseigner l'évangile et mener une vie complètement dissolue, n'est-ce pas? Notamment divorcer, remarier. Autant arrêter l'enseignement, la prédication et vivre sa vie totalement dans le monde plutôt que de continuer à enseigner et d'égarer des personnes qui veulent véritablement avancer avec le Seigneur. Et que Dieu nous garde. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, mais il y a vraiment du travail. C'est quand même assez incroyable. Le pire, c'est que beaucoup de chrétiens, justement, beaucoup de chrétiens se laissent séduire par ces charlatans, par ces faux prophètes, ces faux enseignants qui n'est-ce pas, qui pullulent hein, et qui, bien évidemment, déforment les Écritures et voilà. Et ça, c'est, vous savez, mes amis, Dieu est le Dieu de la famille. Le Seigneur accorde beaucoup d'importance, n'est-ce pas, et à la famille. Et Dieu n'est pas celui qui aime voir les familles brisées. Dieu aime l'homme, Dieu aime la femme. Et comme on l'a vu tout à l'heure, mes amis, le Seigneur a créé un homme, n'est-ce pas, dans lequel il y avait également sa femme. Et la côte avec laquelle le Seigneur a créé la femme était la côte de l'homme. Donc Dieu a créé l'homme, homme et femme. Vous voyez? Et Ish et Isha. Et on voit que au milieu de l'homme et la femme, donc Adam et Ève, il y avait Dieu lui-même. N'est-ce pas? Le troisième fil. Et donc on ne peut pas briser ce que Dieu, n'est-ce pas, ce que Dieu a, le travail que le Seigneur fait. On ne peut pas diviser, n'est-ce pas, des personnes que le Seigneur a unies, n'est-ce pas? Donc, même dans le monde, même les mariages païens, Dieu ne veut pas que les païens divorcent. La loi morale de Dieu est valable pour tout le monde. Et c'est sûr que les inconvertis, ils sont quand même ignorants et Dieu ne tient pas compte. Mais quand ils se convertissent, bien sûr, ils doivent, bien sûr, marcher sur la parole. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, n'est-ce pas, veut que l'homme marié, respecte sa femme et la femme aime, n'est-ce pas, et son époux, et que les deux travaillent pour l'avancement de son règne, du règne de l'Éternel sur la terre. Et divorcer et se remarier tout en étant prédicateur, enseignant la parole, mes amis, ce n'est pas ce que les Écritures nous enseignent. C'est complètement nouveau et c'est un vent qui, de plus en plus, effectivement, touche les nations, touche les églises, notamment aux États-Unis et ici en Europe, n'en parlons pas, en Afrique, n'en parlons même pas. Et c'est horrible. Et nous croyons, nous voyons au travers de toutes ces, mes amis, toutes ces hérésies, de tous ces comportements complètement anti-bibliques, c'est-à-dire des personnes qui divorcent, qui se remarient, qui continuent à enseigner, à prêcher. En fait, c'est ne que l'accomplissement des Écritures, l'apostasie. Et c'est pour cela qu'au travers de ces enseignements, au travers de cette vidéo, nous voulons, mes amis, encore une fois, sonner la trompette d'alarme et sonner la trompette, avertir. Et que ceux qui aiment le Seigneur véritablement continuent à le suivre, à le chercher et à marcher avec la parole. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre au Seigneur, qui veulent mener leur vie comme ils le souhaitent, et bien, qu'ils continuent à le faire. Toutefois, à la fin, nous aurons tous des comptes à rendre au Seigneur de gloire. Et nous avons vu sous Ézéchias, sous Moïse, que selon 2 Chroniques 29, que les lampes du chandelier était bel et bien éteinte. Et d'après la parole de Dieu, d'après Apocalypse chapitre 1, verset 20, le chandelier représente, mes amis, l'Église dans son entièreté, n'est-ce pas? Donc on nous parle de sept chandeliers qui représentaient cette Église d'Apocalypse. Et les sept lampes du chandelier, c'est le Saint-Esprit, carrément, c'est Christ lui-même. Et on voit également actuellement la vérité a presque disparu. La vraie parole a presque disparu. Et comme Romains 1 le dit, l'évangile est, mes amis, étouffé par ceux-là même qui sont censés le défendre, n'est-ce pas? Donc la vérité de Dieu, donc l'évangile, est retenu captif par ceux qui ont connu le Seigneur. Et c'est grave.
en parlant avec les frères et sœurs ici et là dans les nations, on s'aperçoit à quel point beaucoup de chrétiens ne savent même pas que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que, mes amis, qu'on est vraiment à la fin de temps et qu'il faut se préparer pour l'enlèvement, se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Et que le Seigneur nous garde.